va y avoir une augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules et les villes vont être touchées, mais la solution, c'est pas de massifier la climatisation parce que la climatisation, ça fait du froid à l'intérieur du logement, mais elle va rejeter de la chaleur dans les rues. Il faut garder la climatisation pour les endroits où il y en a vraiment besoin, par exemple les hôpitaux, et d'aménager finalement la ville. Comment construire des villes durables pour prévenir la surchauffe ? Depuis 10 ans, des chercheurs du CEREMA et de l'Université de Lorraine collectent des données à l'échelle de la ville de Nancy. Et les habitants ont pris l'habitude de voir passer ce curieux véhicule aux allures de Google Car. Le principe de cette voiture, c'est de pouvoir faire des mesures à une grosse résolution spatiale, c'est-à-dire on prend un point tous les 3 mètres avec un système composé de plusieurs capteurs. On va avoir des capteurs de température, d'air et de surface de la chaussée. On prend aussi l'humidité relative de l'air. Et puis après, un ensemble de flux qui correspondent à des échanges de chaleur, donc en particulier radiatifs, que ce soit infrarouge, donc plutôt sur les côtés du véhicule pour voir les contributions des bâtiments et des façades. On va mesurer aussi le vent et puis on va aussi mesurer le flux solaire incident qui arrive au-dessus du véhicule pour voir si dans des endroits plus ou moins ombragés, on va avoir un impact plus ou moins fort de l'ensoleillement. Collectées de manière régulière depuis 10 ans, ces données sont précieuses, notamment pour comprendre l'impact des épisodes de canicule dans l'espace urbain. Les chercheurs ont mené des campagnes chaque année sur des parcours calculés. Géolocalisées, ces mesures de température, de radiation et de vent permettent de dessiner une image précise de la surchauffe, selon le quartier et le moment de la journée, et d'identifier ce que les chercheurs appellent les îlots de chaleur urbains. L'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène déjà qui différencie la température du centre-ville par rapport à sa périphérie. Et le phénomène est plus intense la nuit, où l'écart de température entre le centre-ville et sa périphérie est maximum. En clair, le cœur de ville se rafraîchit moins vite que la périphérie. Au même moment, les chercheurs réalisent donc les mêmes mesures, dans des quartiers plus ou moins centraux. En les comparant, ils ont identifié des îlots de 4 à 7 degrés plus chauds à Nancy. C'est ce qui nous permet de partir du tracé de mesure jusqu'à une cartographie climatique. Et pour les cartographier, les chercheurs ont mis en relation ces données sur la surchauffe avec la morphologie de la ville. Bleu pour l'eau, jaune pour zone perméable, le violet pour zone imperméable, donc majoritairement les routes, rouge pour bâtiments, vert pour la végétation. Tous les points de mesure, on va les associer à ces caractéristiques, on va faire un modèle et on va l'étendre, l'extrapoler pour toute la ville pour avoir une carte d'îlot de chaleur urbain pour laquelle on va avoir des valeurs d'écart de température ici qui vont être variables en fonction de la configuration urbaine. Là, c'est bien la rue Charles III, donc une rue plutôt encaissée. Et là, donc, on a bien une petite zone ici, plutôt dense. Et ici, on a une indication de la valeur de l'îlot de chaleur urbain. 5,2 degrés d'écart entre cette zone et entre un point de référence à la campagne dans les conditions anticycloniques. Donc là, on a une valeur de centre-ville. Et si on clique, par exemple, dans une zone ici pavillonnaire, on va avoir un îlot de chaleur près de 2 degrés moins fort qu'en centre-ville de Nancy, par exemple. Pour le découpage géographique, les climatologues du CEREMA étaient parmi les tout premiers en France à adopter la classification par zone climatique locale, LCZ. Au départ, c'est un référentiel commun pour la communauté des climatologues qui a été donné par ce chercheur canadien Stewart pour donner des outils à la communauté scientifique internationale pour décrire nos villes. Et nous, on l'a détourné pour faire de la cartographie climatique. Et on a validé le fait que un climat peut être homogène sur une petite zone climatique locale ou zone morphologique urbaine. Ces 10 ans de recul nous ont permis d'avoir une bonne connaissance, une connaissance solide du lien entre la morphologie et l'occupation du sol avec les comportements climatiques pour pouvoir les faire évoluer vers quelque chose de plus vertueux et d'adapter au climat futur. Maintenant que le lien est établi entre la morphologie de la ville et la surchauffe des quartiers, comment l'adapter? Les chercheurs du CEREMA observent différents types de solutions classées par couleur.
La solution végétalisée, c'est une solution typique de végétalisation du bâti ou verte. Et donc au CEREMA, on s'est doté d'une plateforme. C'est une plateforme qui a une vocation recherche, donc qui est instrumentée. Il y a énormément de capteurs à la fois dans le substrat et puis au-dessus. Et l'ensemble de ces capteurs nous permettent d'établir des bilans à la fois hydriques et énergétiques et nous permettent de mieux connaître le fonctionnement des toitures végétalisées, l'évolution des bénéfices, des performances. Et ainsi, on a une excellente idée de comment se comportent les transferts thermiques au sein de la toiture végétalisée, par exemple. Faire plus de place à la nature pour rafraîchir. En été, les villes multiplient les expériences. Comme ici à Nancy, sur les rives de la Meurthe, avec cette plage éphémère. Donc là, dans la catégorisation des solutions, on peut parler de solutions bleues. Cette plage et ces bassins sont des solutions éphémères qui ont été mises en place cet été, mais qui pourraient être pérennisées tous les étés, en situation beaucoup plus caniculaire que celle-ci. Les mesures qui favorisent le changement de comportement, notamment les habitudes de déplacement et les activités, sont nommées solutions douces. C'est une zone qui était un délaissé urbain entre une voie très très circulante ici sur la gauche et puis une zone de bâti là sur la droite. Donc toutes les eaux pluviales sont dirigées vers le bas en cas de forte pluie. En quelque sorte, les fossés sont inondables. Après, la plupart de l'année, le fond de ces fossés, c'est des zones avec des usages. Il y a un skatepark dans la première fosse. Ici, on a une zone de parcours canin et après, on a une zone de sport en plein air. Donc, les gens peuvent un petit peu pratiquer, se balader à l'intérieur du fossé qui est inondable le reste de l'année. On peut dire qu'ici, c'est une solution douce parce qu'on a changé l'usage de la parcelle. Pour une zone qui était complètement délaissée, où il n'y avait pas du tout de passage d'habitants, bah là on remarque que l'été, dès qu'il y a une journée ensoleillée, bah les gens viennent ici mener leurs activités. Donc c'est à la fois utile pour les usagers urbains parce que la végétalisation fait son rôle de climatiseur naturel, et à la fois c'est utile parce que les gens peuvent avoir des activités dans une zone un peu plus confortable climatiquement. Et quand les villes touchent à la substance, aux matériaux, les scientifiques parlent de solutions grises. Donc là, on sent vraiment bien la différence entre le pavé blanc ici et le pavé noir en termes de température. Il peut peut-être y avoir une différence d'une quinzaine de degrés. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on appelle l'albédo. C'est le pouvoir de réflexion solaire. Et du coup, le blanc réfléchissant beaucoup plus, il absorbe moins la chaleur. Et du coup, on va avoir une température de surface plus froide, ce qui va contribuer à rafraîchir l'ambiance globale. Les observations faites à Nancy sont-elles valables et réplicables ailleurs? À quoi doit ressembler la ville française de demain pour s'armer face au réchauffement? L'ADEME accompagne et coordonne dans tout le pays les travaux de recherche en matière d'urbanisme durable. Alors l'objectif, c'est évidemment pas de reconstruire Paris sur le modèle grec, c'est pas du tout possible. L'objectif, ce serait plutôt d'aller vers une combinaison de ces différents types de solutions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et la surchauffe urbaine. Sur le recul concernant ces solutions, il en existe notamment en termes de publications scientifiques. Nous savons que les arbres en ville peuvent faire diminuer la température de quelques degrés. Donc 3 à 5 degrés. Sur la rue Garibaldi qui a été remodelée à Lyon, le ressenti thermique a baissé de 10 degrés. Ça donne aussi une autre notion sur vraiment ce que peuvent apporter ces solutions de rafraîchissement à l'être humain. Les récentes modifications du Code de l'urbanisme ont fait entrer dans la loi française l'obligation pour les collectivités d'intégrer des mesures d'adaptation à tous leurs documents d'urbanisme. Dans tous les cas, la population urbaine, elle s'accroît. Et les activités anthropiques aussi. Et donc, fatalement, cette chaleur, ce dôme de chaleur urbain, il ne va pas aller en diminuant si on ne met pas en place des solutions concrètes au sein de la ville.